Alors que je reviens pour perturber votre session de méditation zen. Allez, on change de scène. On revient là-dessus. Et on va passer à la tribu du Nord. Et la tribu du Nord, je pense que ça va être une catastrophe. Tout simplement parce que... Ah mais non, c'était des aléas faibles. J'ai cru forte. Mais... moins 2 de laine par pupille. Donc en fait, il va falloir que je booste le plan d'attaque. Je pense que ce sera une bergerie mobile. Et surtout, avec au moins un boost pour pouvoir récolter la laine depuis l'endroit et pas... Bon, on verra de toute façon. Hein. Alors... J'aime pas les rhododendrons. Alors, 300 rations. Et 225, puis... Beaucoup de trucs différents. Ici, du bois, des cailloux, ça passe. Ensuite, un trappeur, donc là, à partir d'ici, c'est full poisson, mais dans une forêt, ça m'étonnerait que je trouve des lacs. 300 cailloux, donc un peu la suite d'ici. Mais un trappeur 2. Ramasseur de pierres. Trappeur 2 déjà. Le bois et les cailloux, ça me paraît le plus facile. Parce qu'imagine, je prends trappeur, là je suis obligé quand même de faire de la laine et du minerai. Je vais éviter les objectifs laine, hein, parce que les objectifs laine, à ne pas confondre avec objectifs lune. C'est que la laine, je vais en avoir besoin pour mes pupilles, apparemment. Vu qu'ils viennent du nord, ils ont peut-être froid, je sais pas, enfin bon. Ouais, je vais peut-être partir là-dessus. Mais ce qui m'embête, c'est la suite. C'est le trappeur. Donc il faut que dès le début, j'essaye de voir comment trapper. Bon, ben, déjà ici, on a de la laine là, on a de la laine ici, on a une bête de somme là. Il y a du bois ici. Et les poivrouilles. Il y en a là. Et là. Alors, niveau place. Niveau place. On va mettre une scierie. Enfin. Me faut scierie, trappeur. Les cailloux sont là. Donc la carrière sera là. Alors, en réflexion. Carrière. Là, parce que j'ai pas le choix de la mettre ailleurs. Il va falloir calmer ça. Une bergerie pas loin. On va faire le. Déjà, bon, je pense que me placer ici, c'est pas moi. Oh, j'en ai que deux! Oh non! Elle est. C'est quoi son bonus? Ce pupille ne prend pas de dégâts de feu. Ok. Bon, on a encore le truc de tout à l'heure. Et lui, il a quoi? Bon, envahissant, on connaît en force. Mais un tour de moins pour récolter. Oh! Toi, tu vas être ma poivrouille-man. Mais oui, alors. Poivrouille-man, comme ça. Et toi, bah, tu vas rester en rose parce que homme à tout faire. Le problème, c'est pourquoi il y avait écrit moins 2 laine par pupille. Ah, je peux recommencer un tour. C'est pratique, je ne savais pas. Putain, pardon, je l'aurais su avant, j'aurais évité peut-être la cuisine. Bon, je n'ai pas besoin de ça. Donc ce qu'il va faire, lui, c'est se construire de suite. Ah non, j'ai pas besoin des récoltes encore. Attends, où sont les métiers ou des métiers vides? On part de zéro, ok. Donc, toi, de suite. Oula, ce que tu veux. D'abord la bête de somme, après les poivrouilles, et toi, une hutte de trappeur. Je vais en avoir besoin. Autant commencer de suite, hein. Ah, faut qu'il regarde autour. Bon,
Ben, va faire le bois en attendant. Comme ça, au moins, ça débloque. Ok, donc on a aussi des minerais là. Très bien. Ensuite, toi, tu poivrouilles. L'autre, il va faire un peu de bois. Ah, mais il faut des cailloux. Faudrait que je gère ça. Pardon. Faudrait que je gère ça d'abord. D'abord les cailloux. Donc, une carrière ici. Donc, il a déjà terminé la carrière. Tu apaises ça. Très bien. Et tu t'occupes de tes cailloux. Pour l'instant, on peut passer un peu vite. Hein. Parce que de toute façon, il ne se passe pas grand-chose dès le début. Ok, donc déjà, lui, au taquet sur un massage. La caravane, ce serait bien de leur dire bonjour pour avoir quelqu'un en plus. Genre, coucou, salut. Ouf. Bâtisseur 2. De toute façon, je le prends. J'ai décidé de l'avoir. Tout simplement. Parce que. Non. Mais bon, bâtisseur, c'est pas très grave. Je vais le mettre bleu, voilà. Je vais le. Après, oui, bon, ça c'est bien. C'est pas grave. Toc. Caravane. Où est l'emplacement en plus? C'est 800. Ah! C'est 800, c'est pas grave, j'ai fini les cailloux, il va faire du bois, lui. Lui, je vais l'amener gentiment, juste me déplacer là. C'est pas grave si ça s'est refermé, ça. Donc l'autre, il va faire du bois, et dès que j'arrive sur les 800 de... Bon, c'est dommage parce qu'il me prend de la nourriture un peu pour rien, c'est vrai. Mais l'autre, il ramasse tellement vite. Ah, d'ailleurs, c'est un peu le problème. Ce serait bien que tu... Ouais, ils peuvent pas travailler. C'est pas grave. Il va chercher les poivrouilles là, lui. Bon, tu vas... Faut attendre encore 800, de toute façon. Donc... Ok. Et bah, tu fais tes poivrouilles, hein. Allez, j'y suis presque à 800. Allez, impec, 800. Hop, caravane. Ici, un emplacement. J'ai toujours pas compris pourquoi l'histoire de la laine par personnage. Ce serait bien de regarder comment on fait une bergerie mobile. Il faudrait du minerai. Ben, qu'à cela ne tienne, je vais en chercher. Je vais supprimer. Non, je vais pas supprimer parce que. Attends, je reprends. Pour faire une bergerie mobile, il me faut 50 pierres, 40 minerais. Bah non, je vais créer une mine, tant pis. Je la mets là. Hop, allez, va à la mine. Un site sacré, juste après. C'est très bien. Toi, tu vas au site sacré dire coucou. Je sais pas ce que ça fait, ça, de faire une offrande. Est-ce que je le teste au moins une fois? Oui, allez. C'est pour le beau jeu, hein. Retire un trait négatif. Ah. Je sais pas à qui ça l'a enlevé. C'est à lui, je crois, mais je sais plus ce qu'il avait de négatif. Attends, ici, je recommence. Mais il a déjà exploré. Mince! Bon, je crois que ça fonctionne pas. Enfin, c'est moi qui l'ai pas fait comme il faut. C'est pas très grave. Je vais chercher 2-3. C'est pas grave. Allez. Donc,
Il va falloir commencer. Ben, il me refaut du bois de toute façon. Il me faut 2-3 pierres en plus. Pourquoi j'ai fait ça? Je comprends pas. Je suis bête. Dis bonjour. Je veux bien. Oui, ça c'est toujours pratique. Et non, toi tu vas faire un peu de. Oui. Tu vas faire un peu de ça. C'est très bien. Donc les cailloux, je fais un dernier tour. De cailloux. Voilà. Et tu reprends ton bois, toi. J'ai pris du minerai. Je reprends ici. Alors attendez. Toc toc toc. Donc on a dit des cailloux après et un trappeur. Ou des poissons. Faudra voir quand on arrive là. Mais je partirai plus vers les cailloux. On va voir. Mais de toute façon, il va me falloir un trappeur. Donc quoi qu'il arrive... Ok, donc toi, t'as gagné quoi? Le fait de ramasser. Bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est pas l'utilité première que tu devais avoir. Et toi d'ailleurs, bah, de toute façon ils sont tous au même niveau. Donc c'est toi qui vas être le trappeur. Pof! Trappeur. Eh bien, couleur. Oui, c'est bon. Alors, toi, tu vas construire. Vu que t'es un bâtisseur de niveau 2. On avait dit qu'il fallait faire une bergerie aussi pour avoir de la laine. Mais en mobile, voilà. Ça que je voulais. Donc l'autre, il va continuer avec du bois pendant un moment. Lui, les poivrouilles, ça va commencer à attirer la tronche. Donc, vu qu'il vient de revenir, il fait d'abord une escale là. Au moins, un pupille n'a pas d'activité et peut encore se déplacer. Oui, c'est lui. Pff, je fais n'importe quoi. Lequel? Lui. Non, poivrouille. Le problème, c'est que les poivrouilles... Il est pas encore niveau 3. Va falloir faire une hutte de récolte aussi. Pourquoi il peut pas? Ok, j'ai rien dit. Parce que ce serait bien aussi d'augmenter ça. Ah oui, mais il faut 100... Bon, pour l'instant, c'est pas grave. De toute façon, elle est mobile, donc... Ok, il en a fait un peu. et puis de toute façon, il va falloir que je fasse ma hutte. Ah oui, mais je vais avoir plein de ressources différentes. Je vais avoir la viande après. La viande, je construirai ma cuisine. C'est pénible. Sans bois. Bon, on continue comme ça. Et il va me falloir beaucoup de bois, hein, à un moment donné. Lui, il a fini les poivrouilles. Ok, là ça craint un peu plus. Tu vas aller vers là-bas. Alors, ok, là il y a full poivrouille. Donc tu vas installer. Est-ce que je peux faire une hutte de récolte? Je peux! Et je vais le faire. Donc jamais là. Parce que de toute façon j'ai ça à côté. Oh, une bête de somme! J'en ai pas déjà une? Si! J'en aurai deux! Va chercher ça. Là. Parce que niveau nourriture, on est bien. Alors attends, parce qu'il faut que je pousse des trucs. Les ballons. Le zèle. Hein, vu que là, en ce moment, j'en fais. Ah, j'ai pas créé le jardinet. Bon, c'est pas grave. Ça encore, je peux attendre un peu. Allez, toi,
Tu as ramassé tes poivrouilles. Tranquillou, bilou. La laine, ça serait bien d'arrêter. Et de commencer le trappeur. Bah, je vais te mettre là, toi. Toi, t'en es où? Ouais, il est bien. Et ça serait bien qu'il devienne bûcheron. Mais là, il récolte très très peu de bois. Et puis on fera une scierie portative. Le mec, il va tout faire portatif, quoi. Allez, on va récolter de la nourriture. Ce serait bien de passer au moins trappeur 1 avant de repartir. Puis de toute façon, il faut du bois, là. Du bois, de la nourriture. De toute façon, la nourriture, ça ne va faire que monter. Vu qu'il est en train de gagner full XP, lui, là-dedans. Et après, il va avoir la récolte tranquille. Ici, bon, bah, c'est du trappeur, c'est pas très... Enfin, c'est pas que c'est pas très grave. Oui, on va utiliser nos points de savoir, oui. On va utiliser la vision de 1... Et... Mais j'avais dit que je ferais les jardiniers. Mais j'y pense. Jardiner, de toute façon, avant de partir, je le fais. La montée des eaux accélère. Il reste 20 tours de moins que prévu au pupille pour partir de l'étape. C'est pas grave, hein. Pour l'instant, je suis bien. Je profite de la première étape bien comme il faut. Et puis, il avait dit qu'il y avait moins d'aléas, donc... moi, je prends. Je prends les ressources qu'il y a à prendre. Je cherche pas. Je prends du bois, petit à petit, bon, trop petit. Une éclipse, c'est quoi? C'est les auras. Mais faudrait que j'appelle cette aura, en fait, pour pouvoir récolter, mais pour l'instant, tout va bien, donc... quitte à prendre son temps là-dessus, y a pas de souci. Allez, déjà, ça, boum. Le jardinet, c'est très bien. Oui, je sais. On continue avec le bois. La poivrouille qui a été décimée ici. Par contre, la poivrouille qui a été consommée aussi. Pas grave. De toute façon, il est trop fort, le type. Ah! J'ai déjà pris un niveau de trappeur. Très bien. Eh bien, pour l'instant, on continue. Tout va bien dans sur cette plaine. Ok, là, ça devient un peu le bordel. Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui est portatif? Ma bergerie est portative. Enfin, elle est mobile. Faut que j'arrête de dire portative. Et elle est mobile. Moins un tour au cycle de récolte. Ouais, vas-y. C'est bien d'augmenter ce genre de choses. Et toi, tu vas te faire une scierie. Oh non! Bah, va te chercher... Va te chercher des minerais. On va faire une série. Ah, mais quel imbécile, je lui ai pas dit d'aller là. Bon, c'est pas très grave. Ah, la nourriture, c'est pas la joie, hein. Allez, une série. Je la mets là. Et on sera tranquille. J'ai ramassé du bois. De quoi passer au moins le niveau. Ramasseur de fruits niveau 1, impeccable. Ramasse plus de poivrouilles. Les poivrouilles. Là, c'est bon. Niveau bouffe, c'est géré. Le mec, je fais un cycle. Il prend un cycle, il vire. C'est trop bien. Ensuite, j'ai pas mal de bois et j'ai beaucoup de points, donc je vais utiliser ça pour augmenter en largeur, en longueur. Ouais, je suis très bien. Dès le début, là, pour l'instant, je me mets bien. Je sais que je ramasse beaucoup de ressources, mais je sais que j'y gagne après. Ah, l'averse. Donc on peut plus récolter, les lamas, ils vont partir. Toi, t'en es où? Ah, c'est là, pardon, j'allais dire, mince. Bon, t'as 500, tu vas peut-être arrêter, non? Ouais, tu vas t'arrêter. Parce qu'après la viande, je vais pas pouvoir la stocker, ça va être pénible. Et c'est quoi déjà les rongeurs? Une horde de rongeurs fuyant
dévore les réserves débordantes d'épices. Ah, j'ai pas d'épices. Bah, c'est dommage. J'ai pas d'épices. Oh. Je sais. Je continue. Je fais un dernier... Ah non, après le bois, je vais trop en avoir. Ok, donc j'arrête là. On s'en va. On bouge. Alors, c'est là où ça va être sportif. Parce que j'ai beaucoup de bâtiments qui... Je sais, j'ai rangé ça n'importe comment, vous inquiétez pas. Ce stream est réalisé par un non-professionnel. Donc, on se calme. On met des ressources par là. La laine, je sais pas ce qu'elle fout, mais bon, on la met là. Non, ça passe en fait. Juste à mettre des... Impec. Allez, on a beaucoup de viande. Ce serait peut-être bien de faire une cuisine pour éviter de perdre trop de poivrouille. Je pars. Jolie petite histoire. Alors, va falloir regarder la carte. La carte pour voir s'il y a des cailloux. On a encore beaucoup de bêtes de somme. Pour l'instant, pas de cailloux. On a de quoi récolter. Vestige, 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 vestige. Analysons la carte. Ce serait bien que je vois si je peux foutre ma scierie par là-bas. On va se déplacer par là pour l'instant. Je peux mettre ma scierie par là. Par contre, il n'y a pas de cailloux. Ça craint. Au pire, j'ai bien dit, au pire, il y a des poissons pour mon trappeur. La série mobile là. La laine, j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait que je fasse avec. Hein. Il mettait moins 2 de laine par pupille, mais. Mais au final, j'ai pas compris ce que ça faisait de plus ou de moins hein, sur ma partie. Je vois pas l'influence que ça peut avoir encore. Ouais. Je vais m'installer là. Ouais, go, on s'installe. Première chose, toi, tu vas construire ta hutte de récolte mobile. Tu la mets là, comme ça. Ouf, je peux même la mettre là, je m'en fiche. Allez hop. Je la mets là. Toi, tu vas mettre ta scierie mobile. Tu la mets là-bas. Et le trappeur, on va réfléchir. Je pense que je vais créer une cuisine. Je vais voir si je la fais... mobile ou pas mobile? Pour dépenser toute ma viande, vu que j'en ai pas besoin. Quitte à prendre ça. Quitte à prendre vers les lacs. Ah non, après je repars sur de la viande. Et là, je pars sur du poisson. Donc en fait, le poisson, quoi qu'il arrive, je vais devoir le faire. Que ça soit par là ou par là. Je vais peut-être partir par là. Je vais juste regarder. Parce que j'ai un lac ici. J'ai de la viande là encore. Qui ne fait rien en fait? Les deux sont moitié... écoute, tu vas explorer, voir si on a de la caillasse et ou d'autres poissons. Ok, cailloux ici. Et des poissons par là. Ah mince, c'est des poissons de haute qualité. Je peux pas encore les ramasser. Ah! Parce qu'il y en a là, mais c'est compliqué à construire. Enfin, c'est pas compliqué, compliqué, mais... Ok, toi, tu reprends tes poivrouilles à fond. Toi, j'ai besoin de bois, ouais.
Mais j'aimerais bien que tu me prennes cette forêt-là d'abord, comme ça au moins je construirai. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Oui, il y va. Amnésie. Ah, ça c'est pénible. Les points de savoir qui s'en vont. Donc on va les utiliser. On va les utiliser pour agrandir, hein. Encore une fois. C'est très très bien ça. Quoi? Ah oui! Toi, c'était pour voir les cailloux. Vu que j'ai 500 de viande, je vais partir là-dessus. Vu que de toute façon, j'ai déjà un trappeur. Attends, j'ai fait une bêtise là. Lui va chercher du bois. C'est lui mon trappeur. Et lui, il fait la nourriture. Bon, ça va. Et c'est lui qui était. Ah, le bûcheron, c'était lui. Mince, 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 mince. Donc c'est toi qui vas chercher du bois là. Et toi, tu vas faire autre chose. Toi, tu vas faire une hutte. Une hutte de chasse. Mais j'ai pas assez. Bah tu vas chercher du bois là. Allez hop. Parce que de toute façon, il la ramènera au à la caravane. L'amicale. Oh bah elle est juste à côté, écoute. Dis bonjour. Alors, une caravane de pipi passe. Avec réduisant le voyage d'un quart. Allez, boum. Moins de choses à faire. Super. Ah, attends. C'est lui, mon. Je confonds les couleurs, je pense. Lui, c'est mon trappeur. Donc, c'est lui qui va choper du bois comme ça. Et lui qui utilise le bois là. Mais je veux qu'il utilise ce bois là. Est-ce qu'il va comprendre? Je sais pas. Oui, c'est bon. Je lui ai dit d'aller prendre cette chose-là. Ok, on a assez de bois. Du moins pour que lui se construise une cabane de chasse. Ici, de toute façon. Ok, et tu chasses. Pour au moins monter à 700, on a dit 720. Bon, ça le fait vite. De toute façon, le bois, il a bientôt. Enfin, il a pas bientôt fini, mais. Ça va le faire. Au niveau des poivrous, il est tellement à fond que c'est presque alarmant en fait. Les moustiques tropicaux, non! Impec, toi, moins 2 de consommation de nourriture. Et toi, peut-être, si on a assez de place, je vais te construire une cuisine, ou une boulangerie, pour pas dire de bêtises. Une boulangerie, portable. Mobile. Ah, les éclairs. Non! Après, je peux la rebouger, mais bon. Oh, punaise! Ah ouais, non, mais t'étais au taquet, mon pauvre. Désassemble, oui. Bah, pour l'instant, tu vas faire autre chose. Est-ce que je peux te construire une cuisine? Une boulangerie, pardon. Une boulangerie mobile. Oh, je ne peux pas. C'est bien dommage, ça, madame la marquise. Ah mince, il me faut quand même de la pierre, quoi qu'il arrive. Oh. Bah tant pis, pas de cuisine. Tu vas reconstruire ta hutte de récolte. Et tu vas la mettre. Ben là. Pas le choix. Mais faut que tu te calmes, hein. C'est plus possible là.
Tu vas te calmer, tu vas aller chercher ça, parce que ça me fait toujours des emplacements gratuits. Ah, bah non, d'abord tu vas dire bonjour à la caravane. Toi, on augmente la taille. Ici, là. C'est pas grave, de toute façon, j'en aurai assez. Alors, amicalement. Ou alors je prends. Non, je vais pas prendre un quatrième, hein, c'est bon. Tiens, pof, beaucoup de. C'est trop bien. Et tu fais ça. Bon, le bois là. Ah, 6. Ah, parce que toi, t'as fini là. Non, arrête. Tu arrêtes. Arrêtez. Non, comment on fait arrêter? J'oubliais. Voilà. Ah, ben. C'est un site. Non, c'est un vestige. Ouais, va pas faire un vestige. Non. Ça va m'énerver. Oui, continue. Oui, continue. Alors, toi, tu construis la pêche. Boum. Oh non, l'éclipse, c'est quoi déjà? Ça remet en place les auras, hein. Oui, c'est ça. J'annule. Toi. Non, en fait, non, je continue. Toi, tu désassembles. En vrai, là, il me manque que les poissons. Il ne me manque que les poissons. Ça m'embête de. Ben, je vais taper un peu dans mes ressources. Hein. Genre, toi aussi, tu vas attendre. Parce que. J'ai pas envie de me retrouver avec 50 000 trucs à transporter. Ah, brouillard. Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'était oui, la vision réduite de 1 et parfois les cases qui ont déjà été vues. Attends, non, non, ça craint ça. Non, c'est bon. J'ai toujours peur. Il y avait eu un aléa qui disait que ben, les poissons n'étaient plus récoltables pendant un moment. Par contre, si tu veux bien te dépêcher au niveau de. Bah, tu vas pouvoir recommencer à faire des poivrouilles, toi. Ça commence à bien baisser. S'ils pouvaient se dépêcher, par contre, pour les poissons, ça m'arrange. Pouf. Alors, attends, que je regarde. Cette étape-là. Elle est bientôt terminée, mais celle-là, je pourrais la passer. Et dès qu'on passe. Ah, mais j'ai déjà la route vers l'œil! Beaucoup de bois, de la laine et des cailloux. On va peut-être commencer à travailler là-dessus. Vu que j'ai une bergerie mobile. En vrai, je peux commencer à faire. Ça me coûte rien. Si, de la place, mais. Ça, au moins il fait de la laine de suite et l'ennui. Ah, bah tant mieux qu'ils reprennent tous une activité. Allez hop. Oui, l'ennui. Le brouillard arrive, ce serait bien que les poissons ça se. Hein? Bon, le brouillard est là. Novembre est déjà là. Où il va? Ah non, il voit plus les. Bon, de toute façon, le poisson, c'est terminé. Voilà, on arrête. On s'arrête, on bouge. C'est parti. On va là. Alors, d'abord, les bâtiments, parce qu'ils sont importants.
Surtout la bergerie, hein, on voit énormément son utilité, donc je ne comprends pas. Par contre, trop de viande. Mais ça, c'est pas grave, vu qu'avons vite déguerpir. J'ai tellement de bébêtes pour m'aider. Elles sont tellement gentilles avec moi. Elles m'aiment. J'en suis sûr. Allez, on comble le trou ici. On comble un trou là. J'ai de la place. Mais c'est trop fort, les points de savoir. Je les utilisais pas assez sur les parties d'avant. Je suis déçu de moi-même. Aïe aïe aïe, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Oui, si tu veux, mais là, de toute façon, j'ai tellement la place, je sais même pas pourquoi j'essaye de ranger. Genre, hop, et hop. Allez, on a tout, on s'en va. Oui. Donc, on va ici. On va essayer de récolter un minimum de minerais, vu que j'en ai besoin pour la fin du voyage. Cailloux, bois, laine. Laine, c'est bientôt terminé. On va bouger parce que là, ça me plaît pas. Il y a de la laine ici, cela dit. Bon, il y a des auras un peu partout. Attends. Voilà. J'ai pas fait. Je peux me poser sur une colline, c'est ça. Hein. Ni sur une jungle. Je peux me mettre là ou là. En vrai, je vais peut-être me mettre là pour apaiser ici. Mettre une scierie là. Bon, allez, go. Je sais, c'est pas bien. Je me mets sur les animaux. Ah mince, par contre, où c'est qu'on a des poivrouilles? On n'a pas des minces. Il y en a là. Oh, il y en a là aussi. Ouais, c'est bon. Ah oui, mais où je mets ma hutte de récolte? Je peux pas me poser sur la forêt, là. Mais si, je peux. Alors, toi, non. Toi, t'es le trappeur. Le trappeur, on n'a pas besoin de toi. Sur ce round-là, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas reconstruire la bergerie mobile, la tutu de vroom vroom mobile, ici. Toi, tu vas faire la hutte de récolte. Je vais la faire où? Là, il y a des poivrouilles. J'ai dit qu'il y avait des poivrouilles là et là. Le problème, c'est que. Après, je mets où ma scierie? Je peux la mettre là, en vrai. Et la Siri, avec toi, elle est où? Ouais, mais là. Allez, go! En avant, messieurs, dames. Très bien. Toi, tu récoltes du bois. Toi, poivrouille. Toi, un peu de laine. Et après, on va s'attaquer, si on peut, aux cailloux. Et je ne sais plus à quoi. Non, c'est pas grave. Déjà, la laine, il m'en faut 200. Donc, ça, quoi qu'il arrive. Ok, la laine, 200. Ici, c'est géré. Il me faut beaucoup de bois et beaucoup de cailloux. Il faut que j'aille chercher des cailloux avec lui. Il me faut taquet de bois, par contre. C'est pas fou comme situation. Ah, pas de cailloux! Non! Dysfonctionnement. C'est la bergerie, c'est pas grave. Ça presse pas. Ah non, y a pas de. Y a ni cailloux. Oh mince! Ça craint. Je peux faire un marché, cela dit. Pour acheter des cailloux. Mais avec quoi? Mais avec quoi? Bon, on verra sur la dernière carte, mais ça craint, quoi. Donc toi, tu vas réparer.
Après, on va faire du bois et du bois. Et la caravane amicale. Peut-être que la caravane amicale voudra nous donner un, deux, trois trucs, je ne sais pas. Secousse, les bâtiments permanents. J'en ai pas un seul. Et oui, j'ai tout prévu. Pas du tout. Alors, Code remarque qu'un druide expérimenté accompagne la caravane en échange de 30. Le druide propose d'analyser tous les vestiges et sites sacrés visibles. Y en a? Y en a au moins? Je m'en souviens pas. Contre 30 bois, bah, vas-y. Mais il n'y en avait pas, hein. C'est bien ce que je pensais. Prends la bête. Prends la bébête avec toi. Ensuite, on augmente la caravane. Je peux plus trop augmenter la caravane. Hein. Le problème, c'est que je me pose la question à quoi, dans ce cas-là, sert le conseil? Déjà, faut le faire. Et les traits d'un pupille au choix sont relancés. Les pupilles apprennent à placer le bois différemment pour qu'il brûle plus longtemps. Enfin, tout ça, c'est des choses sur la durée, mais... Les bonus du conseil sont des bonus d'étape qui ne s'activent que lorsque l'appendice du conseil est posé. Mais... Ça ne fonctionne que sur une partie, donc il faut limite poser le conseil dès le début du jeu pour essayer d'avoir le... tous ces trucs, quoi. C'est super compliqué. Bon. Ben on va récolter le plus de bois possible, mais ça m'embête pour le... Tu vas construire un marché, on va voir ce qu'il nous propose. Hein. De toute façon, le marché, je vais l'avoir avec moi. Boum, oui. C'est encore le bois qui va me poser défaut. De toute façon, je vais faire deux scieries. Hein. J'ai plus trop le choix. Hein. Allez, bûcheron de niveau 1. Tu ramasses du bois. Le bois, c'est bien. Et la scierie, je peux pas l'augmenter. Non. Je pourrais pas trop. Alors, le marché, qu'est-ce qu'il me propose? Réduit le coût en échange. Non, attends, déjà... Ah, ben... Mais comment on fait, déjà? Comment on fait pour le marché échanger? Voilà. Je donne... Mince. Je donne quoi? Ben, je vais donner de la laine. Et je vais recevoir... de la pierre. Super, je reçois 20 pierres. On va récolter toute la laine et on verra ce que je fais après. Route accidentée. Mince. Il faudra des poivrouilles. Je pense que pour ça, je suis bon. Ah, il en faut 360 quand même. C'est pas grave. La ressource poivrouille est épuisée. Et il va aller chercher où maintenant? Ah, il y en a là. Bon, ça va. Les moustiques tropicaux, c'est... c'est un peu pénible. Tu arrêtes. Non, d'abord il les rend. Voilà. Maintenant tu arrêtes, hein, t'as pas le choix. Hop, tu arrêtes. Je prends la laine et le bois. Oui, je sais. De toute façon, il m'en faut presque beaucoup trop du bois, donc... Allez, 10 tours de moustique, là on attend. Je les vois plus les moustiques. Bah écoute, rebosse, hein. Qu'est-ce que je te dise?
Il a bientôt fini la laine, ouais. Que je vais commencer à faire mes. J'ai 2400. On va se placer un peu n'importe où. Ça, je sais pas ce que c'est. Multifonction. Est-ce que j'y réfléchis à multifonction? Pour récolter des cailloux? Pour éviter? Bon, on sait jamais. Ah, mais je peux le faire plusieurs fois! Wow, mais c'est pratique. La ressource de la laine est épuisée, je sais. Et le bois aussi. Stop! On s'arrête. On regarde le marché. Pour. Ah ouais, mais les stacks de pierre sont plus pénibles à placer que les stacks de laine, cela dit. Si je fais ça. Ah, mais il y a la viande qui s'en va. Si je fais annuler. Est-ce que je. Qu'est-ce qui va m'embêter là? La laine et les poivrouilles. On va essayer de stocker beaucoup plus facilement les poivrouilles. Est-ce que j'échange maintenant? Je vais prendre ça. Et je vais échanger. Ah ouais, 8 laines, c'est beaucoup mieux quand même. Le problème, c'est que de la laine, il m'en faut, je crois. Donc je vais échanger 28. Oh, que compte 25 pierres. C'est pas rentable. C'est pas rentable de fou, donc on s'en va et on verra. On espère croiser beaucoup de cailloux ici, quoi. Allez, on bouge. Déjà, on met tout ce qui est. Pouf. Pouf. Les poivrouilles. Et puis de toute façon. Là 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 là, je mets tout ça là. J'ai beaucoup de bois, ouais. Je me rends compte que j'ai peut-être un peu trop de bois aussi. Bon, non, ça passe. Genre, toc, toc, toc. Allez hop, on s'en va. Beaucoup de sites sacrés. Oh non! Non, 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 il n'y a pas de pierre! N'y a pas de pierre! Non! C'est tout ce qui me manque, la pierre! Oh, de la pierre. Yes. Bon. Et de la pierre. On se place ici. Comme ça au moins Laura elle me dit oui, je t'aime. Ah, mais il y en a une autre ici qui peut être pénible. Bah, de toute façon, objectif pierre. Oh, objectif bouffe aussi. Poivrouille. Poivrouille. Je vais la mettre là. Hutte de récolte, boum. Il me faut une carrière ici. Qui ramasse bien la pierre? Alors. Wallit. Ah non, Wallit c'est mon. Ah oui, Wallit c'est mon bûcheron. Qui ramasse bien la pierre? Bien Wallit. Ah, c'est quoi? Bah j'aurais dû le mettre avant, ça t'es. Bon, c'est pas grave. On a dit Wallit. Wallit, il récupère bien la pierre, donc il va construire une carrière ici. Oui. Et puis il va péter les cailloux. Ah, il va manquer un peu de bois. Qui fait rien, toi? Bah, va chercher 2-3 bois. Bah, alors 2-3.
Allez, au boulot. J'ai fini le bois. J'ai fini le bois, la nourriture va être gérée. Bah écoute, tu vas faire le tour du site sacré, mon pauvre. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. J'ai pas vu d'autres cailloux. Allez hop. Bah super, j'aurais terminé les. Enfin, si tout va bien, j'aurais terminé tous les. Moins 200 pierres, c'est non. Non, je m'en fiche. Je m'en fiche de ça. Bah, j'aurais terminé toutes les tribus. Je suis content. Est-ce que je prie pour le poisson? Non. Tu vas au site sacré. Bourrasque. Oh non, les bâtiments mobiles! J'y vois rien donc. Non! Mon bâtiment mobile. Et puis tu vas au rituel. Ah, ramasseur de fruits 3, hein, quand même. Hein, c'est... Il est allé au bout. Il est allé au bout. Moins 3 consommation de nourriture permanent. Ou nouvelle recette. Peut transformer 100 poivrouilles en 100. Ben non, parce que de toute façon, je n'ai pas de cuisine ni de ça. Donc ouais, moins 3 de bouffe permanent. Comme ça, au moins, tu consommes encore moins. T'es très bien, toi. Toi, du début, là, je croyais en toi. T'es très fort, Polyphème. Je t'aime. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'ai cliqué sur un site sacré. On va au site sacré. Puis on attend les cailloux, là. Tranquille. S'il y a un autre truc de cailloux, par contre, je veux bien. Hein. Éboulement. Oh non! Et là, il y a de la caillasse. Allez! Une carrière. Là, boum. Allez, ça dégage. Faudra finir avec du bois, mais c'est pas grave, ça ira plus vite. Hein. La caravane amicale. Ben non! Allez, on travaille au caillou. Caillou! Oui, les bâtiments adjacents aux montagnes, je sais par contre. Je l'ai vu passer, j'ai fait. Dommage! Allez, on travaille plus vite pour les cailloux là. Allez, allez, les cailloux! C'est bon pour les cailloux. Toi, tu vas me récupérer le bois de faim. Et voilà! Oh non, en plus, il y a route accidentée qui arrive. Non, on s'en va. C'était combien? Plus de laine. Bon. Je prends pas de risque et je m'en vais. Et j'ai terminé. Super. Ça s'est très bien passé. Au final. Mais j'ai pas compris le moins de laine par pupille. C'est dommage, ça m'embête de pas savoir pourquoi j'avais ça. J'utilise même pas mes bêtes de somme. Partir! Oui! Oui! 1596. Ah! J'ai pas fait une belle harmonie. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je me suis traîné des. Peut-être parce que je me suis traîné des ressources dont je n'avais pas besoin. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué marchandeur. Ce pupille donne accès à de meilleurs taux d'échange au marché. Méticuleux. Ce pupille obtient 25% de ressources supplémentaires dans les vestiges et sites sacrés. Impie. La tribu de ce pupille ne peut pas prier ou faire. Excusez-moi, d'offrande au site sacré. Ami des bêtes. Ce pupille apprivoise les bêtes de somme instantanément. Et le chat. Crainte amicale. Ce pupille ne peut pas apprivoiser les bêtes de somme. Voilà! Ben, je suis content. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, me dis pas que j'étais sur la tribu de l'Est à nouveau. J'ai fait cette bêtise?
Oh non, me dis pas que j'ai fait une deuxième partie de Tribu de l'Est. Non, j'ai pas fait ça quand même. J'ai fait deux fois la même partie. Mais quel idiot. Bon, on est parti pour la tribu du Nord. Oh, mais quel idiot. Bon, il me reste un peu de temps, je vais tester l'autre, mais... Ah, mais quel idiot bête. Je me suis dit, coup dur pour pas Guillaume, du coup. Ah, j'avoue. Ah là là. J'étais trop chaud. Bah, tu vas me dire, j'ai pas fait d'erreur. J'ai envie de dire que la partie était belle, mais le score était moins fort que celui que j'ai fait tout à l'heure. J'ai bien aimé ma partie. Ah non, ah, j'ai fait de la cacade. Bon allez, c'est pas grave. Mais complètement. Allez, on est parti, on est parti, on est parti. Ben, on va faire la tribu du Nord. Hein. Désolé. Bon, on va essayer. Et puis, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Oui, c'est pour ça qu'on commence cette fois-ci avec de la laine. Alors, bon, on reprend le même raisonnement que tout à l'heure. Oh! 300 ou trappeurs. On va pas prendre celui-là. Et après, on a quoi? Besoin de. Agriculteur, trappeur. Ouf, celui-là il fait mal. Celui-là il est un peu plus. Il est un peu plus logique, j'ai envie de dire. On va passer par en bas. Enfin, on va voir déjà si on a des poissons. Et on a des poissons. Bon, on va passer par ça. On a trois pupilles dès le début. Je connais pas encore leurs traits et leurs caractéristiques. C'est pas grave. On va passer par ça. Et on a, il va nous falloir du bois, des minerais. Alors poivrouille, poivrouille, on est bon. Poivrouille, on est encore bon. Ok, niveau poivrouille, on est bon. Il n'y a pas de ressources. Il y a des cailloux ici. J'ai dit qu'il me fallait du minerai. J'ai pas de minerai encore. Se placer ici, c'est pas si mal. Et c'est dans celui-là où il faut que je fasse une bergerie mobile. Ok, allez, on se pose et on étudie nos personnages. On a Rully qui voit mieux, génial. On a Uriel qui, bon, l'XP, tout ça. Et lui qui ne prend pas de nourriture quand il ne bouge pas. Bon, le problème c'est que là, soyons honnêtes, je m'en fiche un petit peu. Donc on a beaucoup de laine, hein. C'est ça, c'est 4 laines par... Attends, mais c'est moins 4 laines par pupille. Normalement, c'est moins 2 laines par pupille. Bon, c'est pas grave. Niveau roux, on est à 0 partout. Allez, on est à 0 partout. Donc, on va dire que toi, tu gagneras moins d'XP. Mais tu vas nous apporter les points de savoir. Donc, toi, tu seras jaune parce que tu es récolteur. Toi. Vu que tu y vois loin, tu vas être un peu ben, le trappeur pour le moment. Et toi, tu vas être celui qui fait du bois. Donc le bois, on met orange. Ok. Donc toi, on commence de suite par la nourriture. Toi, on a dit qu'il fallait te faire une cabane à poissons très vite. Mais il faut du bois. Il faut du bois et il faut prendre en compte qu'il me faut une bergerie mobile. Donc il me faut aussi du minerai et il me faut des pierres. Danger. Mais il me faut du bois, mais il n'y en a pas deux qui peuvent bosser pour le bois, c'est ça? Ou je sais pas. Ah, lequel? Et si toi je te dis va faire le bois, il dit oui ou pas? Ah oui, ils disent oui. Ok. Bon.
Le bois en priorité pour faire une bergerie mobile. Sauf que pour faire la bergerie mobile, il me faudra aussi du minerai, si je dis pas de conneries. De bêtises. Bergerie mobile. Ah, il me faut des cailloux et des minerais. Sauf que les cailloux, si je dis pas de bêtises, j'en ai besoin. J'en ai pas besoin là. Donc limite. Limite, il faudrait pouvoir faire la multifonction assez vite pour prendre les cailloux qui me manqueront. On va voir là-bas si j'y suis. Faut que je vois s'il y a du minerai. Oh! Bête de somme. On va aussi te sacrer, voir. S'il y a les 50 cailloux, pas besoin de. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça me plaît pas. Va chercher la bête de somme. En cas si j'ai besoin d'une quatrième personne. Pour l'instant, le bois se fait. Donc lui, il a fini le bois, c'est pas grave. Il va en chercher là. Toi. Une cabane de pêche, on va la faire fixe. J'ai pas le choix de toute façon de la faire fixe, elle. Parce que ça serait bien de commencer les poissons assez vite, même si les aléas ne vont pas être souvent là. Et quand même, pour quelqu'un qui pensait que les aléas allaient être faibles, j'étais en aléa forte et je l'ai pas vu. Enfin, ça s'est bien passé quoi. Toi, tu fais ça. Toi, tu finis le bois et tu vas partir en exploration pour chercher du minerai. Il me faut du minerai. Donc, pars en exploration, s'il te plaît. Vu qu'en plus, toi, tu vois bien, donc. Impeccable, du minerai. Mais c'est du minerai sous aura. Ce qui m'embête. Est-ce qu'il y a un pas d'autre? On sait jamais. Je vais juste regarder. Bon, bah quitte à être là, tu regardes le site sacré. Oh! Les 50 cailloux que j'avais besoin. Impeccable. J'aurais pas besoin de les créer. Donc on a dit que la bergerie mobile, il me manque 40 minerais. Donc tu vas créer une mine. La mine, ça aurait été bien qu'elle soit mobile vu que je risque d'en avoir besoin. Mais bon. On va la mettre là. On va calmer l'aura. De toute façon, le poisson est en train de se faire. Le poisson, de toute façon, je vais essayer de monter le trappeur 2. Plus 10 par cycle, par pupille, travaillant dans ce bâtiment. Non, je vais pas le prendre. D'un côté, ça m'embête, mais je vais pas le prendre. Il faut apaiser avant d'y aller. Ah, il y a un autre site sacré. Mais c'est pas grave, j'aimerais ne pas perdre de temps et commencer à faire beaucoup de minerais. Il faut que je prenne très vite le jardinet. Il est déjà niveau 1 de trappeur, lui? Trop bien. Les poissons, c'est bon en vrai. Donc je vais peut-être pouvoir travailler sur autre chose. Il y a une chose amicale, mais je la vois pas. Non, je l'ai enlevée. Oh, mais elle est là, mais. Dis bonjour, s'il te plaît. Un pupille agriculteur 1. J'hésite. J'hésite, mais il va falloir carburer au niveau de la nourriture. Et est-ce que dans ce cas-là, j'en fais deux qui. Réduisant le coût en voyage? Non. Scaravane échange. Je perds 40 de bois, mais je gagne 150 de. Allez,
Désolé, mais c'était trop tentant. Allez, on finit les poissons. Lui, il va au taquet vite dans l'XP. Oh, waouh, trop fort. Ah, ça s'est déjà rééteint. C'est pas grave. Ah oui, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui bosse à la bergerie. Ah, j'aurais dû prendre la personne en plus. Vu que j'ai la bête de somme, j'aurais pu faire un campement. Et au pire... Non, j'ai pas besoin de campement. Je peux dire à lui de faire ça. Mais on vise d'abord le jardinier. Je me refais pas avoir. La forêt est épuisée en poivrier. Mais c'est pas grave, il va aller là. Pénible. Coco, t'en es où? Quoi? Ah non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Allez, trappeur 2 là et on s'en va. Ok, trappeur 2. Non, on s'en va pas. Tu vas récolter du bois. Ah mais le bois, il n'y en a plus beaucoup. Et la laine aussi, il faut que j'y pense. Hein. Ouais. J'attends d'avoir au moins les jardiniers. Ok, jardinier, c'est bon. J'ai plus beaucoup de laine, et là il y en avait beaucoup. Je pense que je vais arrêter ça et je vais construire de suite la bergerie mobile et. Ouais. Il faut que je l'améliore assez vite aussi. Allez, go. On va faire ça. Toute façon, je suis tranquille. Donc, tant que j'ai de la nourriture, je suis bien. Hein. Bête de somme. Non. Allez, fais de la laine. Et c'est quoi pour l'améliorer? Ah, des céréales. Mais vu qu'il n'y a plus de bois. Est-ce que je fais une mini ferme pour avoir au moins 100 céréales? En vrai, vu qu'elle est mobile, j'ai pas encore besoin de ce genre de choses. Le bois, par contre, l'enfer là. Mais ce serait bien d'avoir un peu de laine, ouais. Il a déjà pris ses 3 niveaux de récolteur de fruits, punaise! Va vite, ce zouf. Oh non, mais elle est partie. On bouge. On bouge, on bouge, on bouge. Après, je vais me retrouver un peu dans la panade. Parce que là, il me faut beaucoup trop de minerais et du bois. Bon, le minerai encore, j'ai bien avancé. Allez, go. Mon Dieu, c'est petit comme espace. L'idiot. L'idiot, l'idiot. Ouais, ça craint un peu là, ouais. Heureusement que j'ai pas. Ah, mais non, mais les minerais, ça prend un taquet de place. Oh non, je vais devoir jeter. Je vais devoir jeter des trucs. Ça me plaît pas. Ou pas, c'est à moi à mieux m'organiser. Comme par exemple ça, je peux le mettre là, et je peux mettre des poivrouilles là, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, je vais les pousser. Je peux pas mettre mes minerais. Oui, je réfléchis à comment optimiser, désolé. Parce que j'ai pas envie de perdre mes minerais. Et il me faut de la place pour. Il y a un en fait. Il y a un qui m'embête. Ah mais non, j'ai pas du tout la place, je pense.
Si, il faut que je regarde comment faire. Déjà ça, si je le mets là, c'est mieux. Si ça, je le mets vers le bas. Non, ça passera pas, vu que de toute façon, il faut qu'il soit en longueur là. Parce que même si je fais ça, ça crème pour le reste. Ou alors je bouge le bois. Je vais bouger le bois peut-être. Je vais utiliser, hop, ça là, ça là. Ouais, c'est bon, je pense. Pas du tout. Il y en a 15. Désolé. Non, je pense que je peux faire mieux quand même. Non? Ben, je pense pas pouvoir faire mieux. Quoique. Mais je suis bête, moi aussi. Quoique, quoique, quoique. Ah, j'y suis presque. Dommage. Non, je pense que je peux pas. Bon, c'est pas grave. 15 poissons. Allez, on bouge. On va forcément vers ici et pff, ça craint un peu. Alors, est-ce que je peux avoir un pouvoir sympa? Non, dommage. Bon, j'ai ma bergerie. J'ai du minerai ici. Mais j'ai pas de poivrouille. Hein. Donc on va bouger. On a du minerai ici. On a une seule poivrouille là. On bouge. Oh! Il n'y a pas de poivrouille, mais c'est une blague. Oh! Non, mais non. N'y a pas de bouffe. Il y en a là, mais... Ok, ça craint. Ah, super, ennui. Ils vont tous tomber malades si je me place pas. Non, mais c'est une blague. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de poivrou, il n'y a rien. Ok, ça craint. Combien de tours? 4. Bon, ben ouais, ça craint grave même là. Faut que j'utilise la cuisine. Faut que je fasse une cuisine. Allez, go! Non, il me manque des cailloux, mais c'est pas possible. Réfléchis. Y a pas de bois, y a rien sur cette carte. Comment je vais faire pour me barrer? Y en a que 248 là. Et c'est tout! Non! J'ai que ça? Oh là 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 là. Sachant qu'il faut que je crée une mine qui me coûte forcément 100. Non, là ça craint. Là ça craint grave. Parce que je pourrais pas cuisiner. Tant pis, je la fais pas mobile, mais je perds au taquet de ressources là. 317. 401. Ah là, je vais perdre au taquet de ressources.
très déçu. Je suis très 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 déçu. Parce que ça soit carrière ou mine, ça me fout dans une mouise pas possible. Et en plus, il me faut la laine. Oh là là. Non, là, c'est pas bon du tout, là. Ah, quel terrain tout pourri. Hein, la caravane amicale, aide-moi. Non, toi t'es obligé de faire ça. Et toi t'es obligé de faire du bois à bois, ben toi va dire bonjour. Aide-moi. Il me donne 175 contre 2. Oh non. En échange de 30. Non, mais non, mais non. Non. Mais lui, c'est un bûcheron, ça serait trop bien, mais non, là, ça craint, quoi. J'ai pas assez de nourriture. Je n'ai absolument rien. Bon. Il me faut de la... Ah ben oui. Ben là, c'est bon, je meurs petit à petit, là. Eh oui, je meurs de froid, génial. Ah, j'ai fait l'idiot. Bon. Aïe, aïe, aïe. On va s'arrêter là, je pense, hein, tant pis. Je vais pas me relancer dans une partie si elle dure plus d'une heure, là. Je pourrais pas. Tant pis. Dommage, ouais, au final, la laine, c'est compliqué. C'est très très compliqué, et c'est vrai que les points de savoir sur la tribu de l'Est, c'était vachement fort. Ouais. Dommage, mais c'est pas grave. Bon, ben voilà, c'est la fin des streams sur Asfarazi. C'était très chouette, hein. Je suis très 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 content de... Je dis beaucoup très, mais c'est vrai en fait. Je suis très content d'avoir découvert ce jeu. Je pense que j'en ferai pour moi-même, hein. Tellement il est chouette, et puis ben, la preuve, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et surtout que là encore, je pense que c'est juste 3 étapes pour aller jusqu'à l'œil. Là, on doit péter sur des, ouais, 6-7 étapes, quoi. Ça a l'air compliqué. Mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment fun, quoi. Le planning, ben, j'en sais rien. Voilà. Le planning, je l'ai pas. Il est pas fait, donc... demain... je veux dire de... non, le... Ah, je vais y arriver. La commande planning n'existe pas, parce que le planning est généralement en dessous du stream. Demain, si je ne dis pas de bêtises, Jay qui reprend le... Le jeu, voilà, du soldat inconnu. Et pour la semaine prochaine, bah, le planning se fera ce week-end. Généralement, on fait les plannings le week-end pour la semaine qui suit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur les réseaux sociaux, surtout Discord, parce que c'est là où on est les plus actifs, entre guillemets. Vous allez avoir de l'interaction avec nous, et puis on balance des vannes et on joue beaucoup ensemble. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci à l'équipe d'Asfarazi. C'était très cool. Et puis moi, je vous dis à tantôt. Voilà, comme ça, moi, je me mouille pas pour dire quand je reviens ou pas. Allez, le bisou à tout le monde. Cordialement bisous. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao, ciao.